Salut, c'est Rose Kid pour Cassette Backstage. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ma routine de confinement. J'ai jamais vraiment osé revenir sur mes pas. J'ai laissé tellement de gens. La nuit, leurs sourires me reviennent parfois. Je rêve, je rêve. Je m'appelle Rose, je suis chanteuse et j'ai monté un projet qui s'appelle Rose Kid avec un beatmaker qui s'appelle Blanca. Je viens du sud de la France, du côté de Montpellier, et là ça fait 5 ans que je suis à Paris, plus exactement à Saint-Denis dans le 93. Et je suis confinée en compagnie d'une de mes colocataires et de mon copain. Les souvenirs disparaissent, il paraît que les regrets passent. Je cherche un sens à toutes ces rencontres. Pendant ce confinement, on mange. C'est un petit peu l'activité principale quand même. Il n'y a pas vraiment d'horaire. Et sinon, le matin, c'est le moment du sport. Alors normalement, je reste ici et je fais du yoga. Mais là, je me suis dit que j'allais en profiter pour prendre un petit peu l'air. Donc du coup, on va se faire une petite session. C'est parti. C'est une sensation super étrange quand on sort de chez soi. J'ai l'impression d'être une clandestine. Et il y a un côté hyper excitant à pouvoir profiter de l'extérieur, prendre l'air. C'est la police, ça. Bon, session sport avortée. La police municipale vient nous voir pour qu'on dégage. Donc, retour à la maison. On va se rabattre sur du yoga. En général, après le sport, je me mets au piano. En ce moment, je bosse pas mal de reprises de morceaux que j'aime bien. La cover du moment, c'est Riverside d'Agnès Sobel. En ce moment, je bosse pas mal sur les sorties de mes prochains morceaux. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc en gros, il faut s'occuper du mix master, de la cover, du graphisme, de l'envoi en distribution avec les paroles, la cover, plein d'informations. Et le dépôt SACEM. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu la cover d'un des morceaux que j'avais demandé à un photographe qui est super cool. Je trouve que ça colle vraiment à l'esprit du morceau. Et puis, le prémix d'un autre morceau que je dois écouter et sur lequel je dois faire des retours. Et on va pas l'écouter maintenant. Alors ça, c'est un de mes endroits préférés de l'appartement. J'ai de la chance d'avoir un grand balcon sur lequel on peut manger et la vue du balcon et de ma fenêtre juste à côté. Là, on est dans le 93 et j'imagine qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas la chance d'avoir autant d'espace. Et donc je me sens vraiment privilégiée. En ce moment, j'écoute pas mal la radio le matin, donc surtout France Inter pour les infos. Et puis beaucoup de podcasts, essentiellement des podcasts féministes, de style La Poudre, Les Coups sur la Table ou un podcast à soi. Aussi des émissions sur France Culture, toutes les choses qui sont susceptibles de nourrir mon esprit et ma réflexion. Alors mes coups de cœur musicaux du moment, c'est Pongo, une artiste portugaise d'origine angolaise qui vient de sortir un album qui s'appelle Oua, un EP. Hyper dansant, nostalgique à la fois, c'est vraiment très beau. Dernier album de Knowledge qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle 1988. Très bien produit, groovy, à souhait, incroyable. L'album de Swing qui est sorti en février, rappeur incroyable, un album très sombre, très mélodique et très beau, accompagné de superbes clips. Je conseille vivement. Je kiffe trop cuisiner. Ça tombe bien parce que là j'ai le temps de tester de nouvelles choses. Mon frigo est sans arrêt rempli, tout comme le congélateur et mes placards. Voilà, il y a de quoi se nourrir et on n'a pas de faim. Et bien sûr, toutes les petites épices. En ce moment, je suis sur du lait d'or. Pour ça, il faut du lait végétal, du gingembre frais, de préférence, du curcuma en poudre,
de l'huile de coco et du poivre. Et on rajoute du petit miel. C'était Rose Kid pour Cassette Backstage. Je vous souhaite à tous énormément de courage pour ce confinement qui dure encore. Je vous envoie tout plein d'amour. Ciao, ciao.